du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers diocésains qui recevez cette image et le son, chers diocésains desquels j'essaie de me faire le plus proche par cette messe retransmise chaque matin, vous êtes en communion avec votre évêque et d'autres aussi, en dehors du diocèse, le sont. Comme dans bien des diocèses, nous essayons les uns et les autres de vous rejoindre et nous vous portons dans la prière, particulièrement le personnel soignant qui est à rude épreuve, et puis aussi ceux qui sont touchés par la maladie, et également tous ceux qui sont seuls, qui souffrent, qui sont dans la peine. Heureux encore sont-ils si nous pouvons avec eux nous unir dans la prière et dans la confiance. Aujourd'hui, quatrième dimanche de carême, vous remarquez que la chasuble est rose. Deux fois dans l'année, au moment de la pénitence, temps de l'Avent, le dimanche dit de Gaudete, et le quatrième dimanche de carême dit de Laetare, réjouissons-nous, car c'est le début de l'antienne, qu'en d'autres temps on aurait chanté, mais qu'aujourd'hui je vais dire, nous avons passé la mi-carême et nous allons vers Pâques. L'Église, par ce changement de couleur, par la joie qu'exprime la liturgie, nous invite à tenir bon. La résurrection arrive, elle arrive aussi pour nous qui sommes confinés. Un jour ou l'autre, le Seigneur nous délivrera de ce mal, mais prions-le avec force et avec confiance. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Cette joie, elle est pour nous, en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Mais elle est ternie par notre péché, qui nous fait revenir sur nous-mêmes, qui nous fait grandir dans l'amertume et le rejet. Et surtout en ce moment, qui risque de nous faire prendre peur par rapport aux autres, de les éloigner. Bien sûr, il y a les mesures évidentes de protection, mais nous devons toujours nous rappeler que l'autre est un frère et une sœur, ou une sœur. Eh bien, en entrant dans cette Eucharistie, reconnaissons notre péché et accueillons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel, « J'ai rejeté Saoul, il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jesse de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corbe et tu rempliras d'huile et pars. » En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jesse. Et il s'est dit, « Sûrement, c'est celui que le Seigneur en a envie pour lui donner l'onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence,
mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'a-t-il pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder les troupeaux. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie les chercher. Nous ne nous mettons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé l'envoya chercher. Les garçons étaient roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « C'est lui. Donne-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Mon berger, c'est le Seigneur. Je ne manque de rien. Sur les frais pâturages, il me laisse reposer. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur me conduit, je ne crains aucun mal. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe m'emplit de joie. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Grâce et bonheur me suivront tous les jours de ma vie. Et je pourrai, d'année en année, revenir à la maison du Seigneur. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des enfants, des fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Et que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Et quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante « Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec de la salive, il fit de la boue. La boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car s'il était mendiant, dirent alors « n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « c'est lui », les autres disaient « pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble », mais lui affirmait « c'est bien moi ». On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat,
que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Jésus lui dit, pardon. Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » L'aveugle dit alors « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'évangile de Saint Jean, dont j'ai fait seulement la lecture brève, est particulièrement vivant. C'est une véritable mise en scène qui nous est présentée. Regardons l'aveugle, Jésus, les disciples, et puis les pharisiens. Voilà des groupes de personnes. L'aveugle, il l'est de naissance. Que fait Jésus? Il prend avec de la boue avec sa salive, la terre, la salive, et il lui met sur les yeux. Pourquoi Jésus aurait pu guérir autrement? Il l'a fait bien souvent, même d'autres aveugles. Pour signifier par là que la nouvelle création est venue sur la terre. Il recrée l'univers, il renouvelle la face de la terre et tout repart. Il est, lui, celui qui fait renaître à la vie. Et cet évangile, nous le lisons sur le chemin du baptême que devraient parcourir en ce moment les catéchumènes, hélas. Ils devront attendre en raison des circonstances. Mais ce geste signifie la renaissance. Comme le premier homme a été tiré de la terre, ainsi Jésus fait, en quelque sorte, revivre cet homme. Et il y a également l'eau qui purifie, l'eau qui lave, l'eau du baptême, dont nous allons aussi entendre beaucoup parler dans le temps pascal. Ainsi donc, ces signes nous montrent que nous sommes en marche vers cette création nouvelle, ce Seigneur qui vient pour nous sauver. Et lorsqu'il est guéri, cet aveugle, des gens discutent à son sujet. Est-ce bien le même homme? Mais surtout les pharisiens, ceux qui respectent la loi à la lettre, ceux qui ne font pas le mal, mais qui se vantent de savoir où est le bien, et de l'imposer, et souvent dans des attitudes secondaires, dans des attitudes infimes. C'est pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Jésus, qui demande que ce soit d'abord la vie intérieure qui soit corrigée, et non pas les signes extérieurs. Aussi font-ils en quelque sorte le procès de cet aveugle guéri. Comment se fait-il que tu vois? La suspicion. Quelque chose d'anormal s'est produit. Aussi, il faut savoir, il faut y voir clair. Mais ces pharisiens-là n'y voient pas clair. Certes, ils ont des yeux, mais leur cœur est fermé. Et de la sorte, ils ne voient pas la présence du Seigneur. Ils ne voient pas qui est Jésus. Et ils l'accusent. Il ne vient pas de Dieu, celui-là, celui qui t'a guéri. Parce qu'ils n'observent pas le repos du sabbat. Oh. Mais Jésus rappellera que le sabbat est fait pour l'homme, et c'est pourquoi il a fait ce geste de faire de la boue qu'il a mise sur les yeux de l'aveugle.
Et c'est pourquoi, à d'autres répliques, si cet homme qui t'a guéri, ou qui t'aurait guéri, ne respecte pas le sabbat, c'est un pécheur. Donc, il ne peut rien faire de bien. Les pharisiens sont enfermés dans leur idéologie. Ce que nous sommes très souvent. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont affirmé ceci ou cela, restent dans cette affirmation. Ou pour être fidèles à une pensée, ne veulent pas voir le réel. Ils se détachent de la réalité parce que cette réalité ne correspond pas à leur idée. Et c'est une grande faute, c'est un grand péché de l'homme que de se fier à son idée plutôt qu'à Dieu. Ainsi, ces pharisiens demandent encore à cet homme, que dis-tu de lui ? Alors, troisième personnage, regardons l'aveugle, maintenant l'aveugle guéri. Que répond-il ? Ah, celui qui m'a guéri, c'est un prophète. Et voilà que ces gens, ces pharisiens, se jettent méchamment sur l'homme. Toi qui es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, tu nous fais la leçon. Il a osé contredire la pensée du groupe. C'est grave de contredire la pensée du groupe. Aujourd'hui, nous avons des idées politiquement justes qu'il ne faut pas contredire. Nous avons des idées socialement justes qu'il ne faut pas contredire. Et cela touche beaucoup de domaines de notre vie. Eh bien, pourquoi les pharisiens accusent-ils cet homme d'être dans le péché ? Parce que pour eux, s'il est aveugle, c'est qu'il a péché, ou que ses ancêtres ont péché. Ce que Jésus niera fortement. Et en ce moment, nous serions peut-être tentés de voir dans le virus qui assaille le monde la conséquence de notre péché. Oui, certes, notre péché est là, et nous devons nous convertir, et ce temps de carême nous le rappelle. Mais nous devons prier pour que ce virus s'éloigne. Mais ce n'est pas parce que telle ou telle personne a mal agi qu'elle en est victime. Pas plus qu'elle est victime du cancer parce qu'elle aurait mal agi. Pas du tout. Mais c'est le mal qui est dans le monde, et nous portons ce mal. Ce mal qui est collectif, ce mal qui est venu de l'homme, qui a désobéi à Dieu et qui oublie Dieu. Le voilà le péché. Il n'est pas d'abord le mien, même si le mien existe. Il n'est pas d'abord le vôtre, même s'il existe et qu'il faut en demander pardon. Mais il est celui d'un monde qui oublie Dieu. Mais pour les pharisiens, cette maladie ou cette cécité venait du péché de l'homme. Or Jésus démontre le contraire. Ce n'est pas lui qui a péché, ni ses parents. Ceci est pour la gloire de Dieu, afin que Dieu se manifeste. Et c'est ce qui va se passer. Puisque Jésus, retrouvant l'aveugle, lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? Et qui est-il, Seigneur ? C'est lui qui te parle. » L'aveugle guéri va répondre, « Je crois, Seigneur, » et se prosterner devant lui. Voilà le chemin de foi. Il est passé des ténèbres à la lumière. C'est ce que nous devons faire par la grâce du baptême et des sacrements, par la grâce de l'Eucharistie, même si nous y participons de loin, par la grâce de notre vie de foi, par la prière, passer des ténèbres à la lumière et nous libérer par le sacrement du pardon, quand nous pourrons nous libérer des ténèbres de notre cœur. C'est le chemin du carême, c'est le chemin que nous demande de suivre le Seigneur. En revanche, les pharisiens qui se croient dans la lumière, qui affirment un savoir, restent dans les ténèbres. Ils ne seront pas guéris. Que nous ne soyons pas de cela et que nous accueillions avec joie aujourd'hui, en marchant vers Pâques, la lumière du Sauveur. Amen. La foi de notre baptême, et nous disons le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans la foi que nous avons proclamée, nous prions aux intentions de toute l'Église. Nous prions aussi aux intentions que nous portons. C'est le moment, dans cette Eucharistie, de les présenter au Seigneur. C'est le moment d'ouvrir notre cœur à sa présence. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te présentons ton Église que tu as voulu, une, sainte, catholique et apostolique. Donne à chaque chrétien, et particulièrement en ce temps de carême, le désir profond de se laisser conduire par l'Esprit Saint, qui seul peut nous révéler la miséricorde de Dieu et nous en faire vivre, afin de témoigner ensemble de l'amour de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en ce temps de confinement, nous continuons à faire Église autrement. Que cet empêchement de toute assemblée et ce jeûne eucharistique aiguisent en nous le désir d'être ce corps du Christ vivant. Tous, en communion avec nos pasteurs et dans ta joie, au service de ton amour, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, éclaire les dirigeants et tous les responsables qui sont spécialement sur le pont en ce moment et doivent prendre de difficiles décisions pour organiser au mieux le présent et pour sauver l'avenir. Que les personnes qu'ils dirigent se montrent à la fois responsables et obéissantes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, ceux qui doivent tout quitter, ceux qui ne savent pas où ils vont, et spécialement aussi, en ces temps particuliers de pandémie, les personnes isolées, les malades et tous ceux qui se mobilisent au service des autres. Viens guérir les corps, rassurer les cœurs et apaiser les peurs. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te présentons notre paroisse de la ville haute de Montauban. Chacun chez soi reste membre à part entière. Fais que nous recherchions l'unité par la prière, en nourrissant notre foi, notre espérance et de nouvelles formes de partage, par tous les moyens, avec toi. Malgré le confinement, montre-nous comment élargir notre temps. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu Père très bon, tu entends la prière de tes enfants. Avec tous ceux qui suivent cette Eucharistie, je te les présente. Viens donner à chacun ce dont il a besoin pour poursuivre la route. Apprends-nous à ouvrir nos yeux sur la souffrance, la maladie, sur ceux qui ont besoin de nous, à dépasser tout égoïsme. Envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions avancer confiants et joyeux
vers Pâques qui s'approche, nous te le demandons. À toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment enfants de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, nos saints patrons et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur moi-même, ton humble serviteur, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille qui aujourd'hui souffre dans l'incertitude de la maladie et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour les victimes du Covid-19, pour tous ceux que nous avons accompagnés cette semaine dans nos paroisses. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec tous nos frères chrétiens à travers le monde, qui aujourd'hui fêtent le jour du Seigneur, dans la joie de cette montée vers Pâques, nous redisons la prière que Jésus lui-même nous apprend et nous demande de dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette paix, je vous la donne depuis la chapelle de l'évêché, qu'elle se répande dans vos cœurs, que vous l'échangiez entre vous par divers moyens, puisque le contact physique est délaissé, mais que nous puissions porter à chacun cette paix, particulièrement à ceux avec lesquels nous n'avons pas été en accord. Dans cet esprit, donnons-nous la paix du cœur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et maintenant je vois et je crois. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Si je n'ai pas pu communier à ton corps, Seigneur, je te demande de venir en moi, d'y faire ta demeure. Je t'accueille de grand cœur, je te désire ardemment, je souhaite ta présence. Je m'unis à la communion que vient de vivre le célébrant. Et je sais qu'elle portera en moi du fruit, parce que tout au long de cette journée, tout au long de ce dimanche qui est ton jour, je veux vivre de ta présence. Amen. Prions le Seigneur dans l'action de grâce. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, et que notre amour soit de plus en plus sincère, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Et bon dimanche malgré tout. Nous allons aujourd'hui prier Marie
les feuillets paroissiaux qui circulent dans la ville de Montauban nous rappellent l'importance de la prière à Marie. Nous allons dire le souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, aient été abandonnés. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds, ô Mère du Verbe incarné. Ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Livron, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Vie, priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Notre-Dame de tout pouvoir, priez pour nous. Notre-Dame de santé, priez pour nous. Notre-Dame du Bon Remède, priez pour nous. Marie, secours des chrétiens, priez pour nous. Sainte Vierge Marie, refuge des pécheurs, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous.